pratique la faille. Je viens donc d'arriver à Kanita avec cette série 700 électrique et je prends ce Kiha 48 ensuite pour aller jusqu'à Mimmaya. Et donc là il y a des agents de JA qui sont montés dans le premier train et là qui sont devant ici là. Je pense qu'on les aperçoit. Là de Kanita à Mimmaya, de Kiha 48-544. Et là-bas c'est Kiha 40. 1006. Et on va plus loin. Et donc on arrive dans la zone de transfert. Là c'est la ligne Shinkansen qu'on voit au fond. Et là, des voies déjà qui sont. Des voies de réserve qui sont déjà séparées. Mais bon, on les voit quand même. Donc celles-ci sont électrifiées pour les marchandises. Et ici non. C'est pour ça que nous on est en diesel, c'est parce que il n'y a plus. Et donc ces voies électrifiées vont rejoindre les voies de Shinkansen plus haut là-bas. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des voies de trois rails. Donc là, ces voies-là montent et nous on va passer sous les voies de Shinkansen. Alors que celles-ci, voilà, de cette manière, rejoignent les voies sur les voies. Donc sur ces trains-là, il n'y a que les trains de marchandises sur ces voies-là, il n'y a que les trains de marchandises et le Shikishima qui passe. Donc en tant que passager, pour emprunter ces voies-là, c'est très rare. Et que qu'en payant la croisière qu'on peut y arriver. Et donc là on voit à nouveau les voies de Shinkansen qui arrivent là-bas. Donc Shinkansen, mais toutefois c'est des voies à trois rails parce que les trains de marchandises, donc il y a la ligne classique aussi dessus. Là c'est un endroit pour préserver les aiguillages puisque ici ils séparent les trains de ligne et les trains de marchandises. Les trains de ligne classique et les trains Shinkansen, là un peu de maintenance, ça fait des voies de réserve parce que il y a une Shinkansen juste là. La gare de Okutsugaru Imabetsu. Okutsugaru Imabetsu, une gare de JR Hokkaido, puisque le Shinkansen entre Shin-Aomori et Shin-Hakodate est opéré par JR Hokkaido. Donc là, il y a des voies à l'extérieur de la gare, c'est pour les trains de marchandises. Et on voit les boîtiers rouges d'extincteurs, comme vers Kikonai. Et à l'intérieur de la gare, c'est seulement les boîtiers Shinkansen. Et nous, on arrive à la gare de. Tsugaru Futamata. Donc, c'est pas le même nom de gare. Mais c'est juste à côté et on peut faire une correspondance à pied. Voilà, Tsugaru Futamata. Et là-bas, c'est Okutsugaru Imabetsu. On voit. Non, ici on voit pas. Là, vous voyez peut-être. Mais il y a un passage. Il y a un passage aérien pour passer de la gare de Okutsugaru Imabetsu à celle de Tsugaru Futamata. Et les correspondances elles sont vraiment pas terribles parce que c'est JR West et JR East et JR Hokkaido, ils ont pas fait non plus les tables d'horaire en fonction de ces lignes là pour avoir des correspondances idéales. Et donc ici, comme tout à l'heure, nous on est sur une ligne diesel sans caténaire. Et là-haut, c'est Shinkansen plus ligne classique pour les trains de marchandises, toujours, et le train de croisière. Je répète, mais voilà. C'est.
Et encore avant, c'était, il y avait des limités d'express, et des, au lieu du Shinkansen, c'était seulement des limités d'express, des trains de nuit qui passaient par ici. Donc cette gare n'existait pas. La gare d'Okotsu, la Imabetsu. Donc un peu plus loin, quand la gare est finie et que il n'y a plus besoin de séparer ligne classique et Shinkansen, c'était vraiment pour, seulement pour éviter que des trains de marchandises passent sur les quais, au niveau des quais. Ils se rejoignent. Et après, c'est une série de tunnels. Puis le tunnel Seikan, sous la mer, qui relie Honshu et Hokkaido. On voit pas sous les voies. Depuis tout à l'heure, on fait que tourner dans les montagnes. Que des virages, des petites lignes comme ça. Donc là, il n'y avait plus que deux voies à trois rails, jusqu'à Kikonai, au moins. Oui, puisqu'à Kikonai, la ligne classique redescend et les trains de marchandises empruntent ensuite les voies de South Hokkaido Railway. Je viens d'arriver à Minmaya, c'est une gare sans agent, donc c'est le contrôleur du train qui récupérait les tickets. Donc là c'est vraiment terminus, hein. Il n'y a plus rien derrière, on est entouré des montagnes. Si on continue plus loin, il me semble qu'il y a un musée du tunnel Seikan. Petit bâtiment de gare, panneau Minmaya ici. Je repars dans 13 minutes. Ça me laisse un peu le temps. Il y a ma 5 par jour. Il y en a 6 qui arrivent, mais 5 qui partent seulement. Et je prends celui de 12h37 qui va jusqu'à Aomori. Et souvent, ils font en sorte qu'à Kaneda, la correspondance soit possible. Dehors, un bus, jusqu'au bout. Voilà. Les gens qui viennent jusqu'à la gare de Minmaya ici, c'est pour aller par là-bas. Et ici, il y a un musée du tunnel Seikan qui commence ici. Voilà, il commence pas très loin d'ici. Avant, il y a quelques autres tunnels. Là, il y a deux tunnels. Mais le tunnel Seikan, il commence vraiment là. À Minmaya, dans la ville de Minmaya. C'est Sotogahama. Voilà, Minmaya, c'est le nom de la gare. Et donc, le bus, il va par là. Et on peut aller voir donc le point le plus au nord de Honshu. Jusqu'après, c'est Hokkaido. Voilà, là on est là. Le bus il va jusque là. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'était là. Je suis allé jusqu'à Noheji par là. Je suis monté comme ça jusqu'à Ominato. Je suis revenu là. Là, je viens de monter par Kaneda ici comme ça. Et je vais revenir là. Et après, on va aller à Hirosaki un peu plus par là. C'est tout le trajet du jour. C'est juste deux allers-retours et après un petit trajet pour aller à la destination du jour. La gare Minmaya-eki. On est dans une zone inondable. Et 10 minutes pour faire quelques photos et pour reprendre le train. Là, je pense cette fois je vais dormir. Mais c'est. Je reviens dessus, mais c'est quand même assez spécial
le système de la gare de Okutsugaru Imabetsu et Tsugaru Futamata. Parce que c'est pour quelqu'un qui voit les tableaux d'horaire ou qui regarde Maps, ou qui, quand on lui dit, on peut penser que la correspondance est pas possible, parce que c'est pas le même nom de gare. Surtout que c'est vraiment à 20 mètres. Mais bien en fait, c'est juste parce que le nom de gare a été posé par JR Hokkaido pour montrer un peu plus pour que ça reflète la région et ce qui a besoin. Parce qu'il y a besoin. Pour que ça reflète la région et les attractions qu'il y a. Parce qu'il me semble que pas loin, c'est une gare d'accès vers tout un parc naturel. Et bah, c'est surtout ça l'intérêt. Et après, il y a quelques autres. C'est très rural, hein. Après, il y a des gens qui habitent par là, mais bon. Donc là, il y a le contrôleur qui vient de changer les panneaux. Il a retourné pour que ça devienne entre Minmaya et Aomori. Tout à l'heure, c'était entre Kanita et Minmaya. Donc si je monte dans la voiture qui va être devant, je ne serai plus dans le Kira 48, mais dans le Kira 40. Et donc là, j'en ai pour 1h24. Et là, c'est en îlot. Au fond, il y a un aiguillage, mais on peut pas aller jusqu'au fond pour comme voie de réserve et revenir ici. Mais là, il y a des rails. Et il n'y en a plus. Et l'aiguillage là-bas, on peut plus le modifier. Voilà, il est bloqué. Bah, tous les panneaux de la ligne, ils sont comme ça, en fait. C'était par rapport au cap. Au cap duquel on voit, je pense, le Hokkaido. Et en dessous, c'est le tunnel Seikan avec les Shinkansen, voie classique, etc. C'est quand même un beau temps. Nuageux, mais c'est très agréable. Et là, vraiment, cette ligne, c'est que montagne, montagneux. À la fin, on longe la mer, mais c'est même l'océan Pacifique. C'est vraiment excellent. Donc je viens de revenir à Aomori. J'ai pas dormi. Je me suis réveillé seulement 10 minutes avant. Et ce train va vers Kurosaki. Il change complètement. C'est étonnant. Ah oui, c'est celui de 14h44 pour Kurosaki. Après, donc là j'ai 2 heures, un peu moins de 2 heures pour retourner à l'hôtel, rejoindre les autres, reprendre les bagages et aller à Kurosaki en limité d'express. Voilà. Aujourd'hui, au fil des heures que je passais. La troisième fois où je passe d'ici, il fait de plus en plus beau. Et bien sûr, de plus en plus chaud. Là, je suis en manche longue parce que 1h30 dans le train, j'aurais pris froid. Mais là, j'ai très chaud.